Ok. Tu es confortable? Oui, je suis très confortable. D'accord. Je te fais une induction à 10, d'accord? Tu te détends déjà. Et tu prends de profondes respirations. Et à chaque respiration, tu sens le mouvement énergétique de ton corps, tes pieds à la tête. Et pendant que je compte, à chaque palier du décompte, tu t'enfonceras un peu plus. De cette session, ma voix est ton point d'ancrage. Tu n'écoutes que ma voix. Déjà, tu sens une partie de ton corps, tes pieds, tes mollets et tes hanches s'enfoncer, se détendre profondément. Tu sens également tes hanches, tes cuisses, tes fesses et le bas de ton ventre lourd, profondément détendu. Tu sens également ta poitrine, tes épaules, ta colonne vertébrale, ta respiration aussi de plus en plus profonde. Articulation de tes droits, de tes doigts, de plus en plus lourd à chaque respiration.
Tous les micro-muscles de ton visage sont détendus, complètement détendus, et ta tête est lourde. Maintenant, tout ce que tu connais de ta réalité physique n'existe plus. Tu ne la connais plus. Comment est-ce que tu te sens, Estelle? Bien. J'aimerais que tu trouves dans l'éther un couple qui sont en train de concevoir des jumeaux. J'aimerais que tu ailles à ce moment, maintenant. OK. Tu y es? Très bien. Observe maintenant énergétiquement ce qu'il se passe dans le ventre de la femme. Et dis-moi ce que tu vois. Je vois comme une espèce de boule ou un genre de soleil, si on peut dire ça comme ça, genre d'énergie un peu orangée, rouge, qui se forme et qui n'était pas là avant, et qui petit à petit prend un peu plus d'espace. Très bien. Autre chose? J'ai l'impression que ça se dédouble en fait. Continue. Et après, je vois cette énergie qui semble s'accrocher en fait au corps de la mer. Est-ce que tu vois encore autre chose? Non, si on parle vraiment juste Du moment de la de la conception? création, ouais. Maintenant, tu vas basculer sur le plan physique, pardon. Maintenant, tu ne vois essentiellement que le point physique, le plan physique, pardon. Regarde quelles sont les conditions et les exigences pour qu'une femme justement conçoive des jumeaux. Là, du coup, je pense que c'est un peu plus mon mental qui parlerait qu'autre chose pour tout ce qui est point de vue physique. Alors, déconnecte-toi de ton mental et de tes connaissances en tout cas.
pas forcément ton mental, mais des connaissances que tu connais, que tu as de ta vie physique, de ta réalité, d'accord? Ok. Laisse ça de côté, ramène pas. Ramène pas ça, d'accord? Ok. Tu observes. Mais tu prends les informations sans porter de jugement, d'accord? Ok. Si tu vois rien, on passe à la suivante. Il n'y a pas de. La seule chose que je vois, c'est juste deux êtres physiques, deux êtres humains. Et il faut deux êtres humains. Enfin, c'est la seule chose que je vois. Je vois juste ces deux êtres humains qui conçoivent un enfant et. Qu'est-ce qui est en lien justement avec le fait de concevoir des jumeaux particulièrement? Est-ce que tu vois quelque chose, des conditions ou des exigences particulières? Quelque chose? Physiquement, non. Non, tu vois rien. Ok, très bien. Maintenant, tu vas regarder la même chose, mais sur un plan subliminal. Bascule. Et dis-moi ce que tu observes. Je sais pas si c'est forcément lié au fait d'avoir des jumeaux, mais je vois que y a pas seulement deux personnes dans la pièce. Il y en a plus. Dis-moi. J'ai l'impression que donc on a les deux êtres humains et on aurait je vois deux personnages à côté et j'ai l'impression qu'il y en a un troisième mais que j'arrive pas trop à percevoir. Et Regarde, regarde si leur présence est liée à cette conception de jumeaux. Regarde. L'information te vient tout de suite, tu le sais. Oui ou non? en fait, j'ai juste l'impression qu'ils étudient ça. D'accord. Alors tu vas comme faire abstraction de leur présence et tu vas vraiment regarder d'un point de vue énergétique la conception de ces jumeaux. Tu vas extraire des informations que tu reçois, les conditions pour concevoir les jumeaux. Ce que je ressens, c'est qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de des vies antérieures. J'ai l'impression qu'il y a une information qui est présente dans ces vies antérieures qui implique, enfin qui permet en fait d'avoir ces jumeaux. Sinon après, je vois pas nécessairement. Autre En chose, fait, non? c'est comme si c'était marqué quelque part, en fait. D'accord, très bien. Est-ce que tu as d'autres informations à ce sujet-là? Sinon, on passe à la prochaine. Non, j'ai pas l'impression. Très bien. Déconnecte-toi de cette scène complètement et tu reviens à toi, à tes fréquences. Quand c'est fait, tu me le dis. Ouais, c'est bon. Comment est-ce que tu te sens? Bien. D'accord. On continue? Quel impact les conditions subliminales peuvent avoir, pardon, sur la gémellité? Dis-moi ce que tu observes. Dis-moi quelles informations te viennent comme ça, maintenant. Pour moi, je vois toujours ce lien en fait, quelque chose qui est lié à quelque chose de plus grand. Et je vois toujours ces êtres qui étudient. En fait, c'est lié à. Moi, je les vois liés à ces êtres qui étudient. Enfin, le phénomène, on dirait que c'est lié. Très bien.
Est-ce que tu... La même question, mais là, pour les conditions karmiques. Est-ce qu'il y a un impact sur la gémellité? En fait, j'ai l'impression que qu'il y a besoin d'avoir déjà de base des âmes qui sont liées entre elles par quelque chose de fort. Je ressens vraiment quelque chose de fort dans ma poitrine. Peut-être quelque chose de traumatique. Très bien. Autre chose? Là, j'ai juste eu une image comme d'un genre d'accident avec des chevaux, je sais pas pourquoi, mais D'accord. où il y aurait comme un comme quelque chose à ce moment-là qui aurait lié deux âmes entre elles. Regarde maintenant si les conditions généalogiques ont un impact aussi sur cette gémellité. Je suis pas sûre de comprendre la question. Est-ce que les conditions transgénérationnelles, généalogiques, c'est-à-dire ancestrales, on va dire, ont un impact sur la gémellité, une influence? J'ai pas d'infos particulières qui me viennent. Très bien. Est-ce que tu vois s'il y a d'autres exigences qui déterminent justement cette condition de gémellité? Est-ce qu'il y a d'autres conditions, d'autres critères, en dehors de tout ce que tu as vu jusqu'à présent? Non, je revois juste cette histoire d'âme comme traumatisée et ces êtres derrière qui ont l'air de chapeauter toute l'histoire. Moi, je perçois rien de plus. Dis-moi comment tu te sens. Bien. Ok. Maintenant, je veux que tu trouves deux femmes qui conçoivent des jumeaux, l'une en 2020 et l'autre en 1900. Maintenant. Ok. Tu y es? Regarde s'il y a des différences. Alors, je perçois en fait les deux individus d'un côté et de l'autre. En fait, ce que je vois visuellement, c'est vraiment juste les contours. Dans la femme de 1900, elle a ces deux soleils en fait dans le ventre. Et l'autre, celle de maintenant. C'est comme si tout irradiait le corps en fait. J'ai pas juste deux soleils, ça prend tout le corps en entier. C'est la différence que je vois là. Laisse venir l'information, plus tu observes cette scène, plus tu focalises dessus et plus informations te viennent. En fait, j'ai l'impression que l'impact est plus fort maintenant. Après, je sais pas si c'est juste par rapport à ces individus-là en particulier, mais j'ai l'impression que ça impacte plus le corps à l'intérieur maintenant de la femme plutôt que avant. C'est comme si ça liait encore plus. Je sais pas trop comment expliquer, mais c'est comme si en fait, juste avant, les deux êtres sont liés ensemble dans le ventre quand ils commencent à arriver, et ça n'impacte pas nécessairement la mère énergétiquement. Mais
dans le cas de la personne des années 2000, on est, j'ai l'impression qu'il y a une troisième âme qui arrive, et du coup c'est celle de la mère à qui fait comme un bloc. En fait, que j'ai l'impression que ça impacte plus, que sont plus liés. Comme si on voulait créer des triplés pour une prochaine incarnation, en fait. D'accord. Je sais pas. Quand tu dis elles sont plus liées, tu penses à tu parles de ces deux êtres-là, de ces deux jumeaux? Ils sont liés, mais en plus, oui, eux, ils sont déjà liés. C'est pour ça qu'ils arrivent ensemble. Mais ils entraînent avec eux la mère, l'âme de la mère, la structure de la mère. Et pour pouvoir faire vraiment un bloc, comme je t'ai dit, consolider déjà quelque chose pour les prochaines incarnations où ils seront tous liés. Comme si on perdait en fait une certaine individualité de l'âme. D'accord. Est-ce que tu vois d'autres différences? Non, moi je vois que ça pour l'instant. Déconnecte-toi de cette scène et reviens tranquillement à tes fréquences comme tout à l'heure. Comment est-ce que tu te Ok. sens? Bien. Regarde maintenant, dis-moi plutôt, oui ou non, si l'humanité a toujours produit des Gémeaux. J'ai l'impression que, en suivant ce fil-là, que avant il y en avait peut-être moins que maintenant, comme si c'était un genre d'expérience pour assembler des âmes entre elles. C'est comme si avant c'était pas quelque chose auquel ces êtres-là avaient pensé ou imaginé, mais que c'est quelque chose qu'ils ont expérimenté au fur et à mesure. Donc j'ai l'impression que avant, dans des temps lointains, peut-être moins. Alors même si tu m'en as donné quelques éléments de la prochaine question, je vais quand même te la poser pour voir s'il y a d'autres Ok. informations qui te viennent. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique justement au fait que l'humanité a toujours produit des jumeaux? Oui, moi je dirais que c'est à cause de ces traumas et du fait qu'on n'ait pas accès à ce qui s'est passé avant, qu'on a les mémoires effacées, et du coup il y a ces choses-là qui restent, et on peut pas vraiment. C'est difficile de se détacher d'une âme à laquelle on est profondément lié aussi fortement. Et en plus avec ces êtres-là qui gèrent le phénomène, c'est encore plus dur d'avoir conscience de ça et de pouvoir s'en dégager. Observe maintenant les différents types de jumeaux dizygote, monozygote, siamois. Est-ce qu'il y a des différences d'un point de vue subliminal? Tout de suite, tu observes. Oui, il y a une différence. Attends juste, il faut que je me concentre plus. Pourquoi est-ce que tu as besoin de te concentrer plus? L'information, elle me paraît loin. C'est juste qu'en fait, pour moi, monozygote et hétérozygote, c'est à peu près la même chose. Il y a des différences, mais pour moi, ce qui est vraiment le plus flagrant, c'est les siamois. J'ai l'impression que l'impact et ça me fait beaucoup plus mal en fait à la poitrine sur ces personnes-là. J'ai l'impression que le trauma qu'il a pu y avoir avant est beaucoup plus ancré, beaucoup plus fort en fait, comme si c'était reproduit plusieurs fois au cours des vies. D'accord.
Je te propose de placer trois images, les dizygotes ou hétérozygotes, comme tu dis, les monozygotes et les siamois, et de regarder vraiment leur énergie, d'accord? Tu regardes vraiment d'un point de vue énergétique. Et tu me dis si tu vois des différences à ce niveau-là. Je vois comme un genre de graphique ou d'un podium où on a pour les hétérozygotes des consciences qui sont encore très très individuelles. Et plus on avance, plus on arrive dans le monozygote et le siamois, plus ces consciences-là elles sont rapprochées. Et dans le cas des siamois, c'est vraiment comme une fusion totale, et c'est pour ça que je disais que c'était un petit peu différent, parce que les deux premiers cas sont encore, les êtres sont encore assez individuels. Dans le cas des siamois, c'est beaucoup plus flou et beaucoup plus difficile pour moi d'identifier deux personnes distinctes. Regarde maintenant, tu te déconnectes là de cette scène, de ce podium. Ok. Comment est-ce que tu te sens? Je me sens bien. D'accord. Regarde maintenant si les jumeaux peuvent développer des compétences extrasensorielles. Oui, en fait, c'est encore une fois à cause de ce truc d'âme qui sont vraiment très liées. En fait, on dirait que ça fait comme un cercle comme ça. Je vois les deux êtres comme ça, proches, très très proches, avec donc deux. Je sais pas comment appeler ça, mais on va dire deux corps énergétiques distincts et un autre qui est plus grand tout autour qui englobe les deux. Et en fait, ce truc qui englobe, je vois aussi un autre cercle qui englobe autour de la tête, comme pour signifier que les informations circulent entre les deux beaucoup plus facilement que, par exemple, un médium pourrait circuler comme ça avec une personne. Lambda. Ça ressemble à de la médiumnité, sauf que le lien, il est plus profond et je dirais constant avec l'autre personne. C'est comme si il y avait un corps pour deux, mais très subtil. Encore une fois, ça dépend du degré certainement des incarnations et de souffrances. Pour ce qui est des siamois, par exemple. Du jumeau léger, je sais pas trop comment dire ça autrement, mais Alors, attends, c'est attends, est-ce qu'il vraiment y a juste comme une ça. coupure? Là, il y a une coupure. Donc, j'ai pas entendu ce que tu as dit pendant Ah, quelques désolé. secondes. Non, non, c'est pas de ta faute. Donc, regarde, dis-moi, je veux dire, répète-moi juste la dernière phrase que tu as prononcée. En fait, globalement, je disais plus ou moins la même chose depuis D'accord. un certain temps, mais c'est juste vraiment ce cercle-là qui fait que. Ok. Qui est dans les corps et qui fait une circulation d'informations. Donc justement, alors ces compétences extrasensorielles que tu décris de cette façon-là, est-ce qu'elles... Bon, tu as déjà répondu en partie à la question, mais est-ce qu'elles dépendent de quelque chose, d'autre chose de ce que tu as déjà évoqué? Regarde. Sans exercer ton mental, juste tu laisses l'information, tu l'observes et elle vient à toi. Elle vient à toi, tout d'un coup, tu la sens venir, tu sens les détails, tu la sens se préciser. En fait, c'est toujours plus ou moins. Je suis partie de nouveau dans ce truc de vie antérieure et de trauma. Du coup, je me souviens plus de la question, mais c'est un rapport. D'accord. Tu peux me répéter la question, s'il te plaît? Oui. Est-ce que les jumeaux, peuvent développer des compétences extrasensorielles. Donc tu m'as dit que oui, et je te demandais de quoi est-ce que ça dépendait. Donc particulièrement leurs compétences extrasensorielles. Ça Donc tu m'as dépend parlé du du. lien, de leur Ça, lien. pour moi, c'est vraiment. Ça dépend du nombre de vies qu'il y a eu passées ensemble dans cette catégorie, dans cette configuration-là de leur âme, qui est un petit peu différente des personnes normales qui n'ont pas de jumeaux, en fait.
Très bien. Est-ce qu'il y a une connexion télépathique subliminale entre les jumeaux? Oui, du coup, avec ce cercle qui reste là. Après, comme je te disais, c'est plus ou moins fort en fonction du nombre de vies passées ensemble. Mais c'est toujours en lien avec ce cercle-là qui passe d'un esprit à l'autre et qui tourne. D'accord. Maintenant, observe. En fait, je vais te la poser sans même t'expliquer la question. Et tu prends les informations. Ne fais pas fonctionner ton mental sur cette question. Décris-moi la première différenciation cellulaire qui a donné naissance à des jumeaux. Maintenant. Point de vue physique. Du plan que tu veux. Moi, ce que je vois en réponse à cette question, c'est une seringue, en fait. Comme si c'était un genre de mutation, mais provoquée. Bizarrement, en fait, de ce que je perçois, ça paraît pas si naturel que ça, en fait. Du coup, si je remonte à la seringue, je vois toujours ces êtres qui font des expériences. Justement, regarde là où les parties subliminales liées aux raisons pour lesquelles il est décidé de faire l'expérience de gémellité dans notre physicalité, dans la troisième dimension. Par exemple, ce que tu veux dire, c'est pourquoi le faire dans le physique alors qu'on pourrait très bien le faire juste dans le subtil? Non, c'est juste regarder les liens en fait, les êtres ou tous les êtres qui sont impliqués dans la décision de faire l'expérience de la gémellité dans la troisième dimension. Donc tu veux que j'identifie les êtres qui sont liés à ça? S'il y en a, oui. Physiquement, comment moi je les perçois, ça ressemble tout simplement à des grilles. C'est les êtres que je vois et tu sais, je t'avais parlé d'un être qui était plus en retrait. Oui. Je vois pas tellement sa forme, mais je reconnais très bien l'énergie un peu reptilienne qu'il y a derrière. C'est la même énergie que ces êtres-là, donc j'imagine que c'est pareil. J'ai pas nécessairement besoin de voir. D'accord. Mais du coup, oui, ils sont. Enfin, là, ce que je vois, c'est vraiment tous les liens qui avec tous les êtres jumeaux qu'il peut y avoir sur la planète, ou triplés, ou enfin toutes les âmes qui sont liées comme ça physiquement. Et enfin, ils sont liés, quoi. C'est. Je vois tous les liens. Ils sont liés à chacun d'eux. D'accord. Comme s'il y avait une part d'eux-mêmes à l'intérieur. Y a-t-il une raison ésotérique? Même si tu as donné des informations tout à l'heure, essaie d'en extraire d'autres, et s'il n'y en a pas d'autres, on passe à la suivante. D'accord? Ok. Y a-t-il une raison ésotérique quant au fait que dans le cas d'une naissance gémellaire, ce sont deux filles ou deux garçons, ou un garçon et une fille, donc en gros monozygote ou hétérozygote? Est-ce qu'il y a une raison, une cause ésotérique? Il peut y avoir aussi le fait de vouloir renforcer certains traumas. Je sais pas, mais par exemple, je vois
deux énergies, deux êtres qui ont l'air d'avoir, je sais pas trop, un genre de d'identité sexuelle déjà de base, fille par exemple, et de mettre une fille dans un corps de garçon, ça génère un chamboulement que, s'il n'est pas géré dans le physique, va encore rajouter un mal-être qui fait comme un rapprochement comme ça. En fait, j'ai vraiment l'impression que ces choix-là, ils sont pas du tout arbitraires et que ça permet juste de rapprocher les aimants entre eux. Est-ce que tu vois une... Donc cette différence entre monozygote et hétérozygote, elle est liée au lien karmique qui est déjà existant dans les vies passées, c'est ça que tu veux dire? Est-ce que j'ai bien compris? Oui, il y a ça déjà de base. Les liens, donc comme je t'avais expliqué, plus les liens sont forts et plus les êtres sont issus du même œuf, et enfin de la même souche, moins ils sont forts et plus ils sont distincts encore. Et il y a encore c'est encore lié aussi avec l'identité sexuelle des êtres qui sont un être. Mais je pense que cette information-là, elle est aussi valable pour n'importe quel être où son identité va être switchée dans son corps. Je pense pas que ce soit juste lié aux jumeaux, mais du coup, ça entraîne encore plus l'effet d'aimant. Maintenant, regarde si l'éloignement physique des Gémeaux, particulièrement entre 5 et 10 ans, est problématique. Des jumeaux, je crois que j'ai des Gémeaux encore. Des jumeaux est problématique entre 5 et 10 ans. Regarde, d'un point de vue énergétique, hein. Toujours énergétique. Alors moi, la première chose que je perçois, c'est oui. Alors j'essaie juste de comprendre pourquoi. J'ai encore cette image d'aimant pour expliquer, mais plus on va les éloigner, et plus il va y avoir comme une espèce de force qui essaie de les rapprocher et qui est très désagréable, mais aussi quelque chose qui fait que il leur manque une part d'énergie. C'est comme si il y avait l'énergie qui passait de l'un à l'autre, mais que quand on les séparait, ils pouvaient plus avoir accès à cette énergie-là. Je ne sais pas pour quelle raison, mais Regarde, regarde pourquoi ils n'ont plus accès à cette énergie. là, ça me ramène. Je suis le filament, et ça me ramène aux personnes qui sont là. Ça, c'est eux qui gèrent en fait Très bien. cette scission entre les deux, de lier par la distance. Au final, c'est quelque chose qui est antinaturel pour eux. C'est pas quelque chose que dont ils. En fait, c'est juste qu'ils maintiennent l'idée qu'ils ont besoin d'être ensemble. Je pense que. Attends, je regarde. Si j'enlève le lien. Dis-moi ce que tu fais. J'essaie d'effacer le lien qu'il peut y avoir avec ces êtres-là pour voir si ça change quelque chose. Et j'ai juste l'impression, en fait, que. C'est pas Alors, oufissime, mais. je vais t'aider. À 3, tu ne verras plus aucun lien avec ces êtres pour les jumeaux que tu observes. D'accord? 1, 2, les jumeaux que tu observes ne sont pas interférés, ne l'ont jamais été. Observe maintenant leur flux énergétique. Leur énergie se remet en fait assez naturellement. Si tu veux, ils sont plus. Ça prend du temps. Mais si cette connexion elle est coupée, j'ai l'impression qu'ils sont tous les deux beaucoup plus individuels. Ils retrouvent petit à petit quelque chose qui fait part de leur individualité. Très Et du bien. coup, ils souffrent plus de ça. En À fait, il n'y a plus de souffrance. n'importe quel âge, ils peuvent se séparer à n'importe quel âge. Plus de problème d'éloignement. Bah, pour moi, j'ai l'impression que oui. Très bien. Très bien, c'est intéressant.
Donc, tu as parlé de raisons karmiques. Tu te déconnectes déjà de ces deux enfants que tu as regardés. Reviens un peu à tes fréquences. Et dis-moi C'est comment bon. tu te sens. C'est bon? Tu te sens bien? Je me sens bien. Parfait. Je vais te poser une question. Tu me réponds par oui ou par non, d'accord? Ok. Une essence gémellaire est-elle en lien avec l'expérience de la dualité dans la matière? Oui ou non? En fait, oui, s'il y a une interférence, mais en fait, si on enlève cette interférence, pas tellement, enfin, pas Très plus bien. que les autres, j'imagine. Très bien. Ok. Maintenant, je vais te donner trois noms de pays, de villages, qui sont censés être un peu les lieux de beaucoup de naissances gémellaires. D'accord? Ok. Et je voudrais que tu observes de loin, comme ça déjà, et de voir les informations qui te viennent à ce sujet. Je te parle de Kerala, par exemple, qui est un état du sud-ouest de l'Inde. Je te parle aussi d'Igbo Ora, sud-ouest du Nigeria. Et d'un autre au Brésil aussi, dont j'ai oublié le nom. C'est pas grave. Tu le vois quand même? Oui. Ok. Dis-moi. En fait, comment je perçois ces pays sur la carte? Je les perçois de la même manière que ce que je percevais dans le ventre des femmes. En fait, ces espèces d'éclats d'énergie comme des soleils qui émanent, en fait. C'est un peu embêtant parce que j'arrive pas à percevoir pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire en fait. Alors tu vas, si tu veux savoir, tu t'approches un peu d'une, tu choisis une femme sur laquelle tu vois cette énergie, sur laquelle tu vois cette énergie, et tu prends le temps d'absorber l'information, juste en focalisant. La réponse te vient. Pourquoi est-ce que je vois cette énergie de cette façon? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est bizarre parce que bon, je revois toujours cette seringue qui est toujours là, mais c'est ensuite je vois comme une graine qu'on plante à cet endroit-là précis et bon sur pardon sur la terre c'est lié à des lignes particulières. Je sais pas trop qu'est-ce que c'est ni comment on appelle ça. C'est lié à des lignes. C'est comme si à cet endroit-là, c'était plus facile d'implanter cette graine-là et cette énergie-là qui donne le phénomène. Alors maintenant, reviens sur ces trois villages. Est-ce qu'il y a un point commun entre ces trois villages, justement? Le seul point commun, c'est que j'ai l'impression que les lignes, si on les juxtapose de ces endroits, elles font à peu près le même schéma. C'est comme si c'était bon, moi ce que j'ai comme image, ça va peut-être pas te parler, mais c'est les résonances en musique. Je sais pas si t'as vu cette expérience où quand on Si, fait j'ai vu. vibrer la plaque. Si, Et si. ça me fait penser, ça me met cette idée-là en fait D'accord. Tu de veux dire quelque que chose. d'un point de vue géographique, il y a une forme d'avantage, si on peut parler comme ça, en tout cas de cette localisation particulière de ces villages?
Ouais, énergétiquement, la géographie, enfin l'énergie qu'il y a derrière cette position-là sur la carte, elle a l'air d'être la même en fait. Les dessins coïncident. Maintenant, on plonge dans ce village au Brésil que tu perçois. Tu as comme les pieds sur le sol de ce village. Juste en posant les pieds comme ça, qu'est-ce que tu perçois? Qu'est-ce que tu ressens? Ce que je ressens, c'est comme s'il y avait des sortes de vibrations dans le sol, comme s'il y avait un orchestre pas loin et qu'il jouait enfin, la musique et que je ressentais ça dans le sol. Sauf qu'il n'y a pas d'orchestre. Enfin, là, concrètement, je suis toute seule. Bon, c'est lié à l'énergie qui a sur cette zone-là, mais C'est l'énergie que tu voyais sur la zone. Regarde, observe un peu tous les jumeaux que tu peux voir dans ce village. Et trouve la cause ésotérique. S'il y en a une autre en dehors de celle que tu as identifiée, regarde. En fait, je les retrouve tous liés, pas nécessairement, enfin ils sont liés au truc qui gère ça, mais comme si ils étaient liés aussi d'avant, en fait. Encore une fois, j'ai l'impression qu'on essaie de rassembler ces énergies-là et d'en attirer d'autres. En fait, ce que je ressens, c'est comme si il y avait comme une sorte de soupe et qu'on mettait tout le monde dedans et qu'on essaie de mélanger tout ça pour que tout le monde se mélange et qu'au final, on arrive à lier toutes les âmes entre elles, en fait. Trouve la soupe. Elle est où la soupe? Trouve-la. Du coup, c'est mon cerveau qui fait des trucs chelous, mais du coup, je vois un petit bonhomme qui a son petit bol de céréales et qui essaie de faire en sorte que toutes les céréales soient mixées dans l'eau et qui touille. C'est encore un petit gris. Et il est en hauteur, certainement un genre de vaisseau dont je sais pas trop, mais. C'est pas concrètement sur la Terre. C'est juste que ce bol, en fait, il est vraiment relié aux gens qui sont en bas dans le village. Et bah, je sais pas, on dirait qu'il mange son bol de céréales avec ses céréales décomposées à l'intérieur du truc. Mais en gros, c'est. Il y a des, je sais pas, des genres de, je sais pas, on dirait qu'il stocke son bol de céréales. Où est-ce qu'ils sont là, ces êtres qui dirigent un peu le projet de gémellité là? Où est-ce que tu les vois, ces êtres? Bah, moi je les vois dans ce que mon cerveau interprète comme un vaisseau. Je sais pas si c'est réellement un vaisseau, mais c'est la seule chose que je ressens que c'est pas réellement ça. Mais j'ai que ça pour. Te pose pas de questions sur tes informations, d'accord? Ok. Essaie pas de les analyser, c'est important. Donc du coup, tu vois un vaisseau. Est-ce que c'est toujours le même groupe qui gère ce projet de gémellité, ou est-ce que tu vois d'autres groupes qui s'intéressent ou qui influencent ce projet? Moi, je vois toujours les mêmes personnes. J'ai l'impression que c'est un groupe dédié à ça, à cette recherche-là.
Est-ce que tu ressens cet ADN reptilien dont tu parlais tout à l'heure? Oui, mais il est, comme je te disais, il est beaucoup plus effacé en fait. C'est plus, c'est au-dessus, mais c'est pas eux réellement Alors, c'est qui qui? font. C'est qui? C'est toujours les gris, mais Alors. c'est les gris qui font cette expérience. Mais les reptiliens regardent à côté comme pour vérifier que tout se passe D'accord. bien. Donc, ils supervisent ce projet. On dirait. Approche-toi d'abord d'un gris, là, celui que tu voyais faire sa soupe, là. Et demande-lui télépathiquement. Pourquoi est-ce qu'ils s'intéressent à ce projet de gémellité? Quels sont leurs intérêts? J'ai un peu du mal Du mal à recevoir à cap. l'information. Oui, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs choses qui se mélangent. J'ai l'impression qu'il est question de genre d'ADN, mais aussi de nourriture. En fait, j'ai l'impression que le principe de base, c'est la nourriture. Et après, eux, ce qu'ils font comme pas forcément en cachette, mais eux, ce qui les intéresse, eux en particulier, c'est plus d'essayer de comprendre comment ça fonctionne. Pour quelle raison? Qu'est-ce qu'ils ont comme objectif? Pourquoi est-ce qu'ils veulent comprendre comment ça fonctionne? Moi, j'ai l'impression que c'est pour, enfin, ce que je ressens. Quand je me connecte, c'est pour essayer de prendre le dessus, de reprendre le dessus sur quelque chose, reprendre le dessus sur la directive, essayer de comprendre, peut-être de gérer tout ça tout seul en fait. Tu parles de ce groupe de reptiliens avec ces gris ou juste les gris? Là, je discute uniquement avec le gris. Enfin, je suis uniquement en lien avec cet individu-là. Et j'ai vraiment l'impression que ce qu'il m'explique, c'est que c'est pour ne plus avoir cette suprématie de reptilienne, en fait. D'accord. De comprendre comment ça fonctionne et de se barrer, en fait. Je sais pas. Et quel chemin ils peuvent trouver dans la gémellité qu'ils ne trouveraient pas dans un être humain lambda? Ce que j'ai ressenti tout de suite, c'est quelque chose de plus, quelque chose de fort qui a plus d'impact. L'impact plus fort dont tu parles, est-ce que ça laisse dans quelle mesure ça leur sert que l'impact soit plus fort? Moi, je perçois énergétique. En fait, c'est vraiment très compliqué pour moi de percevoir les informations là en ce moment. D'accord. Éloigne-toi de cet être, prends de la distance, maintenant. C'est bon. Comment est-ce que tu te sens un peu éloigné de cet être? Je me sens bien. Comment est-ce que tu te sentais quand tu étais proche de cet être? En fait, j'avais juste l'impression que il y avait un conflit entre les informations et mon cerveau d'humaine. Je D'accord. pense que c'était ça. Très bien.
Très bien. Allez, reviens à tes fréquences et déconnecte-toi complètement de cet être. C'est Tes bon. fréquences, comment tu te sens? Bien. D'accord. Je voudrais que tu te rapproches de ce village. C'est la dernière chose qu'on va faire ensemble. Je voudrais que tu te rapproches de ce village, le Kerala, d'accord? En Inde. Je te rapproche de plus en plus et en même temps, j'aimerais que tu regardes pourquoi est-ce que les nouveaux habitants de ce village finissent par faire des jumeaux également. Regarde s'il y a une cause ésotérique à ça. Moi, je perçois encore cette vibration dans le sol. Je sais pas si ça a vraiment un intérêt, mais quand je suis arrivée, j'étais dans la végétation, mais vraiment hyper dense, très très haute. Je sais pas si ça a un rapport, mais je le dis quand même. Et c'est comme si ça, l'énergie prenait possession. En fait, j'ai l'impression que j'ai eu une image d'eau, mais c'est comme si ça rentrait à l'intérieur. Qui se répand, quelque chose qui rentre à l'intérieur et qui se répand. C'est pas de l'eau, mais je pense que ça reste de l'énergie qui est présente dans ce sol et qui se répand et qui attirerait d'une certaine manière le processus. Au plus que le processus, les âmes seraient directement dirigées vers là, vers ces points de sentiment en fait. C'est comme si, ouais, c'est comme si c'était aimanté et qu'ils arrivaient directement là et qu'ils trouvaient directement cette personne-là qui était déjà infiltrée par le sol en fait. D'accord. Comme un genre de catalyseur. Est-ce que tu as d'autres informations? Non. Très bien. Alors déconnecte-toi complètement de ce village et reviens à toi, tes émotions, tes fréquences. Et quand c'est fait, tu me le dis. C'est bon. D'accord. Estelle, est-ce que tu es prête à revenir dans ta chambre, dans ton canapé, dans ta réalité, ici et maintenant? Alors, tu comptes de 1 à 3 et avec le 1, déconnecté de tout et de tous. Complètement déconnecté. Toutes les expériences que tu as observées. Tous les êtres, toutes les ambiances, déconnectés. Et déjà, tu sens circuler dans ton corps tes émotions, celles que tu préfères. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto
si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa. Il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo, dobbiamo anche pensare che l'altra persona che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no, da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine, credo, o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario, no, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte, a dove arriva, viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi, e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo.
Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano? Hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri, o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sanno, non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione. E quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile. Scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi, se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha, chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, in forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza,
un essere in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può avviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi, quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosure. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni? Perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque, quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi. Che poi anche è molto istintivo. Supponiate che supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia. ADN Cronos. Qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non mi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione,
e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica, sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche. E l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.